quand tu fais quelque chose et puis ça te nourrit là, ça nourrit ta famille et puis ça te rend personne. Mon cher, pour faire, ta vie est trop dure pour écouter bouche des gens. Sur ce, bienvenue à Devenir Saint, l'émission qui vous donne l'actualité sur la diversité de Kwaki. Aujourd'hui là, on va parler des fleurs avec M. Ballot, fleuriste au quartier Kennedy de Kwaki. Il va nous montrer les faces cachées de son métier. Encore, bienvenue à Devenir Saint, l'émission qui vous permet de connaître des fleurs. Voici M. Ballot Michel. Ça fait 20 ans qu'il est dans l'affaire de fleurs là. Mais avant tout propos, il tient à mettre les choses au clair. D'abord, attendez. D'abord, ma fonction. Je suis jardinier, mais en même temps paysagiste. Je crée les espaces verts, l'embellissement, l'entretien. Voilà, je suis compositeur, fleuriste-compositeur. Je suis pipiniériste. En un mot, je suis un horticulteur. Vas-y, ce que nous voulons entendre, c'est là. Le reste, là, ça ne nous intéresse pas. Tu veux où? Tu veux pas où? Tu es fleuriste. Le vieux, tu es fleuriste. Voilà. Voilà, c'est Valentin qui est demain là. Bon, toi, il faut voir. Donc, tu pensais que genre, ça allait passer un coup, boum. Et puis, nous, on n'allait pas parler. On n'allait pas faire un petit coucou. Ah, toi aussi. Toi aussi. Il est fanat. Faut pas faire ça. Ah, voici Monsieur Ballot Michel, fleuriste. Mais il dit faut pas on va l'appeler comme ça, que lui il est horticulteur. Bon, donc je recommence. Voici Monsieur Ballot Michel, horticulteur depuis 20 ans. Il dit que cette passion là, ça lui vient des Blancs. Tout début je travaillais avec les Américains qui m'ont dit que d'abord j'ai aimé tout ce que le vert. C'est-à-dire j'ai aimé le travail du champ, j'ai aimé planter. Voilà comment l'idée est venue et les Américains m'ont encouragé dans ce métier-là. Voilà comment l'envie est venue. Bon, on l'écoute fort maintenant. Écoutez fort, de toute façon il est nerveux là. C'est pas ce qui va recommencer où À tous les prix, le plus bas c'est 3 000. Donc ça monte jusqu'à 20 000. Nableon. De coq d'Odman. Donc est-ce que avec les fleurs, est-ce que vous arrivez à vivre véritablement les fleurs? Oui, je vis véritablement les fleurs. Ça rapporte beaucoup. Beaucoup, c'est trop dit. Si tu mets du sourire dedans, en tout cas, tu n'as pas à te plaindre. Si tu mets du sourire, tu n'as pas à te plaindre. Ouais. En une journée, tu peux te faire une recette de 200 000, souvent 30 000. Souvent 10 000. Vous comprenez? Ça varie, ouais, ça dépend. Ce que je suis en train de faire, on appelle ça les fleurs à couper. Je vais vous donner le nom de toutes ces fleurs-là. Ce que vous voyez là, on appelle ça les Ericonia. Ericonia. Ça, c'est la famille des fleurs à couper. Maintenant, il y a crape, il y a tropique. Les fleurs, là, on les cultive. On les cultive, par exemple, cette fleur, la rouge, là, on appelle ça crape. Quand ils plantent ça, ils doivent faire un an avant de commencer à fleurir. Ce que vous voyez là-bas en rouge, là, ça c'est les tropiques. Nablé, allez, pas si fleur de maman, pas si fait, n'a prêté fala. Il ne connaît pas rapidement, tu vois. Maintenant, lui, il ne grandit pas comme les bambous que tu connais. Lui, les fleurs, la différence, lui, sont les fleurs. Lui, c'est pour faire les massifs ou bien les haies. Voilà une autre variété de bambou qu'elle a encore. L'épine de Christ, c'est un anti-serpent. Mm-hmm. Voilà. C'est-à-dire, donc, c'est-à-dire que voilà, le serpent ne peut pas passer. Donc, tu fais une haie. Mm-hmm. Une fois la haie effectuée, le serpent ne peut pas rentrer. Et voilà. Ça, comme ça coûte combien? Il te donne le pied à 400 francs. Le pied. Bon. Mm-hmm. C'est son nom, tu dis anti-serpent, panaché. Mm-hmm. Voilà, lui, c'est l'odeur. Mm-hmm. Le serpent n'aime pas l'odeur. Donc, lui aussi, tu peux prendre pour faire une haie. Voilà. Giranta. Mm-hmm. C'est ce qu'on prend pour faire les bordures là, les fleurs de bordures là. Mm-hmm. Mais lui, c'est son vert qui est là. Voilà. Bon, tiens. Vous voyez, c'est ça qui est ça. Voilà. Et puis c'est ça qui est là aussi. Monsieur Ballot Michel, fleuriste. Et pardon,
horticulteur. Ça fait 20 ans qu'il love avec le fleur. Et toi, Jean-Pierre, ça fait combien de temps que tu es d'Ago? Ça fait combien de temps que vous l'ouvrez? Ah. En tout cas, si vous avez besoin de ses services, surtout dans cette période de love là, des amoureux là, vous pouvez le trouver à Boaké, au quartier Kennedy, non loin du feu. Voilà, c'est là qu'il est. Bon, je pense que c'est tout, hein. Mais il y a quoi encore? Ah, c'est tout. Bon, c'est ça quoi? Les amoureux de Boaké, de parler bien ma baisse gueule. Ta baisse gueule? Bon, on s'abonne quoi? Je m'ouvre ma baisse gueule.